Ben, c'est une très bonne journée parce que nous avons eu le plaisir de réunir la grande famille des pompiers grâce à nos amis de l'Union. Le président Huguenet nous a organisé ce congrès de jolie manière. Donc c'est un moment fort parce que ça permet aux élus de rencontrer les sapeurs-pompiers du département. Toutes les casernes sont représentées, ou quasi. Mais c'est toujours un temps fort, il y a toujours l'émotion, puisqu'on rend hommage aux pompiers disparus, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que être sapeur-pompier, c'est un acte dangereux. C'est une cérémonie qui est à la fois protocolaire, toujours bien organisée, très millimétrée, et à la fois très humaine. C'est pas paradoxal, bien au contraire. Ça montre à la fois le sens de la rigueur des pompiers, mais aussi leur côté fraternel, confraternel. C'est très émouvant, je suis toujours très, très touché par ces grandes manifestations. Étant tout petit, j'ai été fasciné par les camions des sapeurs-pompiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai embrassé cette profession. Ces journées sont très enrichissantes, notamment sur le plan humain. Ça permet de nous retrouver autour de certaines thématiques. Et puis, la face conviviale est aussi très, très importante pour les sapeurs-pompiers.